bonjour, ami du soir, bonsoir. Vous ne rêvez pas. Il est bien là. Je l'ai attendu, ça fait un bon moment qu'ils l'ont annoncé maintenant, et il était en précommande, et finalement, magie, Renault Superstar a trouvé un moyen de l'avoir aujourd'hui. Oui, comment ça se fait que tu l'as eu aujourd'hui? Je vous le dirai pas. C'est tout. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il soit là. Donc, nous avons le nouveau XRT de Traxxas. Mais pensez vous montrer ça. Si? Allez. Parce que c'est vous. Hein. Tellement grand qu'ils ont détaché les roues. Ah, c'est pas des roues. Ouais, c'est grand, hein. Alors, on a tous déjà vu 150 000 vidéos là-dessus. Voilà, on n'a rien vu. La carreau. Ah, je suis content, vous savez pas. Je l'ai eu avant d'aller bosser ce soir, donc tout le service de ce soir en cuisine, je peux vous assurer que j'ai carburé. Bon, la carreau, c'est léger. Je m'attendais pas à ça. Je crois même que c'est plus léger qu'une carreau X-Max. Pourtant, les armatures, il y en a, quoi. Comment ils ont fait ça? Ils ont bien fait ça. Alors, on va enlever... C'est dommage qu'il n'y ait pas le... Tu sais, ça j'aime bien. Blue Baby. Ah, il est top, hein. Ah, elle est même un peu... je sais pas si vous le voyez. Un peu perlé, comme ça. Il y a des petits... comme des pépites argentées sur le bleu, même. Oh, elle est splendide. Mais le poids, je suis étonné, c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez les petits trucs qui parlent. Ouh, il n'y a pas de lumière ici. Attends, je vais t'arranger ça, Coco. Bouge pas, Mariette. Tu vois? Je sais pas si tu le vois, mais... Jolie petite pépite. Ah, ça le fait la gueule, hein. Quel monstre. Mais quel monstre. C'est gigantesque. Je m'attendais à du grand, mais là c'est grand. Et alors ce fameux système, c'est issu du sledge. Hein. Hop, hop. Ouais, c'est magique. Hein. Ça, c'est magique, ça. Le sledge qui est le même, mais en plus petit, je l'ai vendu à Kubiak. Parce que quand j'ai vu ça, il n'y avait pas photo. C'est le même, mais en Big Brother, quoi. Rock et montre. Je sais même pas par quoi commencer tellement que c'est big. Non, mais rien, mais... Attends, je suis pas un petit gabarit, hein, mais là, c'est violent. Alors, ces fameuses roues, ça implique une télé, ici. Oh. Allez, un truc qui coupe. Ah non, un truc qui coupe. Oui, chef. Merci, chef. Alors, on va installer ça. Hein. Ouais, ils sont bien collés, ceux-là. On voit bien qu'en colle, ils n'ont pas hésité. Hein. Ouais, donc roue percée. Oups. C'est dur, hein. Une bonne mousse là-dedans. Mais bon, je conseille quand même, il y a un petit trou là, il faut le boucher avec un machin, ça évite le sable ou l'eau ou toutes les merdes rentrées dedans. Ouais, petite clé normale. Des petits hexagones bleus, c'est bien, ça a sorti. Et alors, si j'ai bien compris, train gauche, train droite, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un centre de rotation des roues. C'est indiqué ici, vous pouvez pas vous tromper, il y a la petite flèche qui vous montre que... Bon, je vais quand même vous montrer ça de plus près, hein, parce que là... M'excuse, hein, je le déballe, hein, mais... Je l'ai depuis 4-5 heures et j'ai pas encore regardé. La finition des roues est sympa. Ça me paraît plus léger qu'une roue X-Max aussi, tiens, on va comparer. Allez, cool.
ça c'est bon, qu'est-ce qu'on reçoit avec ça? On reçoit, ouais, pignon speedrun, oh la taille du pignon, oh mais rien le truc quoi, ouais la caméra est un peu loin, je suis désolé, je sais pas si tu vois, c'est pas un pignon de tapette. Qu'est-ce qu'on reçoit d'autre avec ça? Ah, ils ont mis des petits stickers de numéro pour le sledge, ils avaient fait ça aussi. Ceux-là sont bien, ils sont argentés. Ah, c'est censé être un véhicule de course, mais bon. Course contre qui, contre quoi, on sait pas. La petite pub. Le truc qui vous explique un peu, mise en route classique chez Traxxas. Mais je crois que dans ce menu-là, il y a les... Ouais, l'éclaté y est et en complet, ça c'est bien. Parce que de plus en plus, si vous mettez le code QR là, et c'est à vous à vous démerder en ligne pour avoir l'éclaté, moi j'aime bien l'avoir sur le papier. Et on a les petits outils classiques, une clé Allen et deux, du 2,5 et du 302. Classique. Alors, je vais prendre la caméra et vous montrer ça. J'ai pris des batteries aussi parce que celles que j'avais, elles étaient un peu mortes. Et alors la radio classique, ouais classique, voilà. Il y a quand même l'espace pour mettre le système de données là. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte? Venez voir ça de plus près. Et hop, Mariette. Regarde-moi ça la bête. Attends, on va faire ça autrement. Comment est-ce que je fais dans l'autre sens, moi ici? On peut pas faire ça. Bon, je vous reprends. Hein. Séquence émotion. Ouais, sympa. Regarde la gueule du bazar, quoi. Tu vois, c'est les petites paillettes, ce que je voulais dire. Ça donne bien. Oh, il brille de mille feux. Hein. Oh là là, la taille de l'aileron, quoi. Mais t'as vu l'engin, quoi. Regarde ma main. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? C'est vrai que le système carrosserie, j'ai regardé évidemment déjà 150 000 vidéos de nos compatriotes américains, n'est-ce pas? Et ils ont beau sauter, courir, faire ce qu'ils veulent avec, la carreau ne s'enlève pas quoi. Ça c'est chouette. Ça c'est bien. Parce que pour l'X-Max, bon, il y a quand même des moments où la carreau saute, hein, y a rien à faire. Donc on va un peu voir. Bon, écoute, voilà. Hein. On l'a tous déjà vu sous toutes les coutures. Hein. Et vraiment sympa. C'est impressionnant. Bon, j'ai pas su aller rouler aujourd'hui, évidemment. Je vais demain avec mon pilote Rémi au terrain de cross ou au skatepark, je sais pas encore. On verra bien si je vois la météo. Mais bon, c'est vraiment la même conception d'un X-Max avec 2-3 variantes, mais oh là là, la taille des trucs. C'est vrai que c'est le wide, le kit wide qu'il y a sur l'X-Max qu'ils ont mis dessus. Ça, c'est un petit bruit qu'on aime, hein. Écoute. Oh, j'aime bien. Willy Bar, classique. Je crois que j'en ai encore une de couleur, parce qu'il y a énormément de pièces de l'X-Max qui vont dessus. Hein. Énormément. Tout ce qui est pont roulant, diff, c'est exactement la même chose que sur l'X-Max. Hein. Bon, alors, il y a ce système de trucs. C'est dans l'autre sens, ça, c'est chiant. Tu vois, d'habitude, sur l'X-Max, tu tires vers toi et ça s'ouvre. Ici, il faut pousser, boum, et puis ça s'ouvre vers toi. Enfin, faut s'y habituer, mais... Et alors toujours ce petit système de clips que tu peux mettre pour sécuriser ta batterie. Par contre, pas de mousse au fond, ça c'est dommage. Il n'y a pas ça dans les... dans le truc là, il n'y avait pas ça. Non, ça c'est dommage. Tu vois, le bac à batterie, c'est directement sur du dur. Donc, sur les côtés, tiens, ouais, ils ont mis une petite mousse sur les côtés. Et ici, c'est juste pour... c'est tout fin, il n'y a rien. Donc, sur les côtés, t'as quelque chose. Là, t'as quelque chose. Mais ici, c'est du dur. Donc, si on prend... Moi, j'ai pris des 5000. Hein. Les 5000, ça passe tout seul, évidemment. Mais tu vois que ça... Ouais. Hein. Donc, il va falloir, avec des petites mousses ou des petites cales, sécuriser les lipos. En cas de choc, qu'elles ne tapent pas contre le châssis, hein. C'est comme ça qu'elle pète. Oh le monde, garçon. Bon, je vous mets les roues et je vous reprends.
Le voilà avec ses roues, c'est déjà tout de suite autre chose. Il est splendide, franchement. Garde au sol par rapport à l'X-Max. Ouais, attends, on va un peu regarder. Hop, hop là. Ouais, ça va, hein. Le bleu lui va bien. J'ai vu qu'il existait en noir aussi. Bon, alors regarde. On compare un peu. On se demande lequel est le grand frère, lequel est le petit frère. On ne sait pas très bien, hein, c'est deux catégories différentes. Mais bon, point de vue pneumatique, là, tu vois qu'on perd pas grand-chose. Point de vue taille aussi. Bon, ces entrées d'air, je suis pas convaincu. Croyez vraiment que ça a une utilité, enfin, ventilé, il est quoi. Je suis pas sûr que des ouvertures comme ça, à part foutre des crasses dedans. Imagine, il se retourne, t'es dans le gazon ou c'est sur la terre. T'imagines un peu toutes les merdes qui vont rentrer là-dedans? Enfin, c'est une pelle à râteau, quoi. Demande s'il serait pas judicieux de mettre quand même une grille ou quelque chose en dur, même fait en 3D. Hein. Mais il va falloir un cache ici. Parce que, moi, ce qui me fait peur, c'est que si on se renverse et qu'il traîne sur de la terre ou du gazon, tout l'intérieur se remplisse de merde. Plus qu'autre chose. L'arceau ici est assez. C'est du dur, quoi. Mais t'as vu la taille de l'aileron? Ah, déjà sur le sledge, il était énorme, hein, l'aileron, par rapport à la voiture. Pour un truggy, c'est normal. Hein. Mais ça, c'est plus un truggy, ça. Ça, c'est. Ouais, c'est, tu vois, la même, mais Willibar, hein, c'est exactement la même chose. Comme je vous disais, il y a beaucoup de pièces qui de l'un qui vont sur l'autre et vice-versa. Bon, évidemment, tout ce qui est. Si vous n'avez pas le kit white sur l'X-Max, les arbres de suspension ne seront pas adéquats. Mais ceux d'origine, faudrait une fois essayer, ce serait comique de mettre ceux de l'X-Max d'origine sur l'XRT, voir ce que ça donne. Bon, je ne suis pas allé rouler avant-demain, hein, mais je vous rassure, c'est prévu. On va aller le faire valdinguer. Ça caille, il fait caillant, mais ça gèle bien, mais on s'en fout. On va sortir avant que le plastique ne supporte plus le froid. Bah écoute, moi je suis tout content. Hein. Guère quel monstre, quoi. Je l'adore. Ça va être chaud, boulette. Bon, ben voilà, on l'a ouvert, c'est fait. Maintenant, faut rouler avec. Vivement demain. Un jour de congé, je vais mettre mon réveil pour aller rouler, t'imagines? Ça va mettre dans les annales. Hein. Regarde, il brille et tout, il est splendide. Vraiment. La petite finition, là, je sais pas si tu vois. Comme des imprimés. Arma avait fait ça sur la Felony. Il y avait une très chouette carreau. Ça donnait bien, mais là, ils ont un peu fait le même principe. Pas un flou, un peu moins flou, serait bien, merci. Bleu, c'est sympa, hein. Ça le fait. J'ai repris ça, bah oui, là, là où ils avaient rien d'autre. J'aurais bien voulu une autre marque, mais bon, des 6700, ça m'intéressait pas. Je préfère faire deux packs de 5000 que un de 6700. C'est moins chaud pour le moteur, c'est des runs plus courts. Ça nous permet de faire une petite pause entre deux. Ça y est, j'ai déjà sali. Eh ben, les potos, demain sans faute, une petite vidéo de lui en action. Ça va être comique. Avec mon pilote Rémi, ça va être fou rire. Bisous les potos!